Tampon, gros pays qui est gagné. Et le coup d'envoi vient d'être donné par les Nigériens, Massoudi Salifou, qui essaie de trouver directement la tête de Ibrahim Diego. Ça va revenir avec les Béninois. Ils vont essayer de relancer leur flèche, notamment Farid sur le côté. Et que nous savons très explosif. En tout cas, ça c'est un bon coup franc. Si elle est bien exploitée. L'arbitre burkinabé Amidou qui met de l'ordre à la surface de réparation. Sabo, c'est parti, deuxième poteau, la tête de la défense béninoise pour se dégager. Al-Habib. Al-Habib qui essaie de mettre pour Diabiri. La tête béninoise. Diagé qui essaie de trouver Diabiri. Le centre de Diabiri. La déviation du gardien. C'est pas terminé. Le Niger qui persiste. Al-Habib. Deuxième poteau. Ça va revenir. Il glisse Mokhtar. Et on va se dégager côté béninois. Massoudi. Sur la menace. Très loin. Et le public qui soutient son équipe, c'est de ça. Il a besoin pour le moment. Beau petit écran. Un public sorti massivement accompagner son équipe nationale à la victoire. Et bien sûr, Assim l'a notifié, cette équipe du MENA a bien besoin de ce 12e homme, comme on dit, parce qu'en face, il y a une équipe du Bénin qui a du potentiel, qu'elle n'exprime pas encore, mais qui a du potentiel, nous le savons. Avec son pied gauche, Zulkeleni peut mettre la balle où il veut. Dégagé par la défense avec Sabo, Porto. C'était oui, bien tiré, mais sur le coup, la défense du Niger était très bien regroupée. Et Massoudi qui joue certainement faute sur Diego. Et on joue rapidement à la Habiba. À la Habiba qui peut pas frapper. La frappe contre, c'est pas terminé avec Abdoulaye. Abdoulaye qui essaie de manœuvrer son vis-à-vis contré, mais ça revient sur les Béninois qui vont se battre avec Zoukaleni qui lance parfaitement, mais il y a la couverture de Ange. Al-Habib qui essaie de trouver Ousmane. Ousmane, le centre de Al-Habib. Bien, il n'y a personne à la réception. Et Farid qui va essayer d'aller. Certainement Diabri qui empêche la mesure. Pour Ibrahim, la tête de Ourou et le dégagement béninois. Massoudi qui se loue. Pour le Bénin, Malik Tanguy. Non. Pied gauche. Deuxième poteau. Attention. Voilà, la reprise du capitaine Taminou. Et là encore, c'était bien fait. Ça retombait juste dans le dos de la. Qui est monté. Malheureusement, qui n'a pas su bien prendre cette balle. Massoudi qui loupe sa relance. Pour véritablement cette équipe du Bénin de prendre confiance. Voilà, et je pense que Abdramane Issa-Maïga, en changeant d'option de jeu, surtout d'option, va donner à. Ah oui, c'est bien joué. Il n'est pas dans le jeu. Le jeune joueur nigérien. Passe. Le centre. Et ça donne corner. Le bas qui est en train de gagner avec Diabri. Diabri qui passe. Et faute de Farid. C'est bien ce que font les Nigériens, Souleymane. Les jeunes appellent Cristiano. Vraiment, ce garçon, depuis la première rencontre, est en train de montrer qu'il a acquis beaucoup de choses en partant de l'étranger. Et je pense que le Niger peut compter sur lui, même en équipe A. C'est vrai, il ne faut pas lui jeter tout de suite des fleurs, mais je pense que c'est un garçon qui a beaucoup d'avenir. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de nous montrer,
Il est en train de montrer qu'il a beaucoup d'engagement, qu'il a envie que son équipe remporte cette victoire face au Bénin. Je le rappelle, une victoire face au Bénin sera décisive pour la suite de la compétition pour le MENA U20. Alors on va suivre ce coup franc Blaziz qui sera exécuté par Sabo. Absolument. Faut bien marquer. C'est habituellement lui qui s'occupe des coups francs du côté du Niger. Et généralement, il est. Il y a beaucoup de. Voilà un moment décisif. Sabo s'est bien parti la tête. Ils se sont gênés. Ils se sont gênés à Blaziz. Dans les gants de Ainikoy. Et c'est la fin du premier acte à Blaziz. Voilà, 5 minutes sans faire une voilà. Pour permettre à cette équipe du Niger qui est très engagée, qui va au charbon, qui est très explosive de... Mais il ne peut pas. Qui va apporter des balles à cette attaque du Niger qui a eu ce soir beaucoup de ballons manqués et qui doit concrétiser, il faut le dire, il faut le marteler. L'équipe du Niger a obligation de résultat aujourd'hui. Elle a obligation de marquer ce but qui semble difficile ce soir. Ouais, face à une équipe impressionnante du Bénin. Sabo pour qui? Le centre se contré. Eh oui. Encore Rabiou. Ah oui, donc là c'est Farida. C'est bien Farida. Sorti par la défense du Bénin. Massoudi qui envoie pour Abdoulaye. Abdoulaye qui gagne son duel. Mais il y a encore ce défense. Un changement côté. Changement Bénin. Eh oui, Ablaziz, il faut également saluer ce défenseur béninois. Le capitaine. Pour moi, il faut la gagner et espérer vraiment faire une bonne suite. Pour le moment, le Bénin semble en tout cas heureux de ce résultat de 0-0, même si offensivement, ils sont en train de pousser les jeunes. Engagé. Et c'est terminé, match nul entre le Zekre du Bénin et le MENA du Niger. Et rapidement, Souleymane Salah. Qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? On retiendra que le MENA aujourd'hui a montré plus d'engagement.